الحمد لله الحمد لله رب الأعلى والصلاة والسلام على رحمته الأعلى نبينا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أهل التقوى وأهل الوفاء وأهل المغفرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في كلامه القديم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله العالمين تدابو سيدتو ربيع الأول Mubarak et fais droit qu'Allah tabarak wa ta'ala abarakat sa première nuit de sa grand mois là. Allah rapproche-nous avec Ad-Din al-Islam et Allah tabarak wa ta'ala rapproche-nous avec ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ultimement Allah rapproche-nous avec l'imam inshallah. C'est lui qui nous rapprochait avec l'islam, il finit rapprocher avec Rasoul. C'est lui qui nous rapprochait avec Rasoul, il finit rapprocher avec Allah tabarak wa ta'ala. Et là, devant nous, alhamdulillah, une grande occasion où nous exprime sa contentement, qui sa grand mois de Rabiul Awwal fin vini. Et nous exprime-les dans plusieurs façons. Nous exprime-les à travers ban mahafil, ban ihtifal. Nous exprime-les à travers ban aide aux pauvres. Nous exprime-les à travers ban durud au salam et ainsi de suite. Mais nous remarquons que chaque année, comme à sa grand mois là vini, ensemble avec l'expression de joie et de contentement de ban musulman, il y a toujours une partie ban dimoun qui peut encore essayer de faire toutes sortes de propagande pour décourager ban musulman. Pour célébrer sa grand mois là. Il y a toujours une pamphlet, ou un livre, ou une vidéo, ou un commentaire contre la célébration de Maulid al-Nabawi al-Sharif. Et aujourd'hui, nous profitons de sa première majlis, qui, alhamdoulilah, encore une fois, la direction de Juma Masjid fin accorde nous sa privilège, sa sa'adat pour venir participer là-dedans et pour venir partager quelques mots avec eux. Nous profitons de sa première explication là et sa première opportunité là pour nous éclaircir encore une fois. Allah tabarak wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel est profitable à ban croyant. Alors tous ceux qui se considèrent comme croyants vont se profiter. Tout le monde qui considère les croyants et mu'min, inshallah, pour profiter avec sa rappel là, et ban ceux qui pas profiter avec sa rappel là, nous capables de faire droit qu'Allah donne notre hidayah et Allah fait notre rentre dans sa camp des croyants là, inshallah. Parce que si un rappel d'Allah pas profitable à quelqu'un, c'est-à-dire, il n'est pas dans sa camp,
et ça groupe de bonnes croyants là malheureusement. Allah tabarak wa ta'ala dans surah Yunus, ayat numéro 58, 10e surah, ayat numéro 58, Allah tabarak wa ta'ala dit « Qul bifadlillahi wa birahmatihi dhalik yafrahu. » Qul, ô mon bien-aimé, dire, donne sa nouvelle-là et donne sa information-là à Ban Dimoun et à Ban Musulman. Bifadlillahi, par Allah tabarak wa ta'ala, ce fadl, ce miséricorde, ce faveur, wa birahmatihi, et par ce rahma, ce bénédiction. Fabidhalika, alors faudrait qu'il passe à ban quelque chose là, par Allah ce fadl et par Allah ce rahma, fal yafrahu, qu'ils ont fait farah, qu'ils ont exprimé cette joie, qu'ils ont exprimé ce contentement. Et Allah tabarak wa ta'ala, wa huwa khayrum mimma yajma'un. Et sa expression de joie là, quand je peux exprimer cette joie, quand je peux exprimer ce contentement, ça les khayr, ça les meilleur, mimma yajma'un, de ce qui ont accumulé que Dieu. C'est-à-dire l'accumulation de bonnes biens, de bonnes richesses, de bonnes choses matérielles et physiques devant l'expression de joie. Après Allah, sa faveur et sa bénédiction, sa accumulation de biens-là, il n'a aucune valeur. Sa expression de joie-là, il est meilleur que sa accumulation de biens physiques et matériels. Maintenant, le mot fadl et le mot rahma qui fait mentionner dans sa ayah-là, à tabarak wa ta'ala, lui-même, les faire ce tafsir dans son propre kalam. Dans Suratul Anbiya, ayat numéro 107, Allah tabarak wa ta'ala dit « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. » Wama arsalnaka, Allah tabarak wa ta'ala puis commence sa déclaration là par une négation, par une nafi. Et nous pas fin envoyer où. Qui fait Allah tabarak wa ta'ala service à ce style-là, et même nous, dans nos témoignages de l'unicité d'Allah, dans nos shahada, nous commençons nos shahada par une nafi, pareil. La ilaha. C'est-à-dire, ça quelque chose qui peut venir après là, il y a une grande emphase énorme. Qui reposait dans sa deuxième parole qui suive là. Illallah. Avec beaucoup d'emphase. Mais n'a aucune divinité excepté Allah. Comme ça même, wama arsalnaka. Nous pas fin envoyer, c'est-à-dire sa raison qui fin envoyer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est mentionné après là. Il y a une raison énorme, de grande valeur, qui ne vient pas négliger à aucun moment. Illa excepté rahmatan lil alamin. Excepté comme un rahma, comme une bénédiction pour tout ban alamin, pour tout ban l'univers. C'est-à-dire, un nabiyu a'adamu rahma. Plus grand rahma, c'est Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus grand bénédiction, tabarak wa ta'ala. C'est Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sur la venue de sa Rasul là, qui représente A'zamur Rahma, qui représente la plus grande bénédiction, si nous exprimons nos joies, les tout à fait d'après Coran. Les tout à fait d'après Coran. Après qu'il nous écoute ça deux ayat là, sans doute, il y a encore plusieurs Coran remplis avec
éloge pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs places Allah tabarak wa ta'ala fin cause la naissance Maulidin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais nous contentons-nous pour rester là avec ces deux ayats là. Rappelez-les, Surah Yunus, ayat numéro 58, et Surah Anbiya, ayat numéro 107. Nous venons maintenant confirme ce qu'il nous fait dire. Premier hadith, nous vous citez depuis Sahih Bukhari, et deuxième hadith, nous vous citez depuis Sahih Muslim. Qu'Allah accorde nous la compréhension et l'assimilation, et Allah tabarak wa ta'ala transforme. Ban celui qui compte sa célébration-là, fais-le devenir un vrai achiq de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, inshallah. Dans Sahih Bukhari rapporté, وقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم الاثنين لعتقه لثويبا لما بشرته بولادة المصطفى. أبو لهب تشاتشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand les fins gagnent la nouvelle qu'un neveu fin prend naissance dans la famille, et sa nouvelle-là t'y a porté, sa bonne nouvelle-là, sa bachara-là, t'y a porté par ce servante, Thouiba, quand sa servante-là fin amène sa nouvelle-là, alors Abu Lahab fin libère sa servante-là. Par sa action-là, et salé-là, Abu Lahab s'exprime sur la joie et ce contentement lors de naissance d'un neveu. D'un neveu. D'un garçon dans la famille. Et nous, nous pas célébrer la naissance juste d'un garçon. Si Abu Lahab finit célébrer la naissance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous, nous pas célébrer la Muhammad seulement. Nous nous célébrer la naissance de Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Abu Lahab pas accepté lui comme Rasulullah. L'ici seulement célébrer la naissance de sa garçon qui appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'est arrivé? Yukhaffafu an Abi Lahab kulla yawm al-ithnayn. Chaque lundi, سعذاب بن خفيف يخفف سعذاب بن ليجي انتي بو لعتقه par la libération de Thouiba جاريته. Ce servante Thouiba, quand il finit libérer sa servante là, sa acte de libération d'un esclave là, fin rapporte lui un chaque lundi. Alors, ben, ulama dit qu'un kafir fin bénéficier avec Maulid Nabawi, un musulman, comment est-ce possible qu'il n'y pas bénéficié? Et Al-Hafir Shamsuddin bin Muhammad Nasiruddin al-Dimashqi, Hafid al-Hadith, il dit إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يدا في الجحيم مخلدا أنه يخفف يوم الاثنين دائما للسرور بأحمد فما أظن للعبد الذي كان عمره مسرورا بأحمد ومات موحدا. الحافظ المشقي إذا كان هذا كافرا كأبو لهب كان كافر لتين كافر et concernant ce كافر là آية قرآن في دسان في دسان تبت يدا أبي لهب وتاب آية قرآن في دسان et في الجحيم مخلدا et éternellement il vous brûler dans Jahannam, dans Jahim. Là aussi, ata annahu yukhaffafu yawm al-ithnain da'iman.
tout le temps, chaque lundi, ce adab diminue un petit peu. Qui fait les sururi bi Ahmada, par ce expression de joie concernant Ahmad, sallallahu alayhi wa sallam. Un kafir qui éternellement libre dans Jahannam, les fin bénéfice par l'essence de Nabi Ahmad, sallallahu alayhi wa sallam, Hafid Dimashqi dit comme ça, Fama, Avanna. Alors, qui se pensait? للعبد الذي كان عمره بأحمد. Qui se pensait de sa serviteur, de sa abd, de sa banda, qui finit consacrer cela vie en entier, dans exprime la joie et contentement sur la venue de Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. ومات موحدا. Et les fin intiqal comme un muahid. Comme un monothéiste, comme celui qui n'a aqida l'unicité d'Allah, il ne peut pas faire kofr, il ne peut pas faire shirk. Si un kafir fait bénéficier, comment est-ce possible qu'ils aient pensé un musulman, un abd, un mu'min, si vous bénéficiez. Le dernier hadith, dans Sahih Muslim, concernant sa rosa que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut garder chaque lundi, Sayyiduna Abi Qatada li rapporté an Abi Qatada anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawmi yawmi l'ithnain. Fin pose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la question concernant sa saum, sa rosa qu'il est peut garder chaque lundi. Faqal, Rasulullah fin répond, fin dire, Fihi waladtu, wa fihi unzila alay. Sa joula, mou fin prend naissance. Waladtu, walad, maulid, maulud, mila. La waladtu, mou fin prend naissance. Wa fihi unzila alay. Et ce même jour, révélation d'Allah tabarak wa ta'ala finvin vers moi. C'est-à-dire la célébration de Mawlid al-Nabawi al-Sharif fin pratiquée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi. Seulement, ban moyen, ban forme fin changé, mais maqsad c'est la même. Si on dit mondia, mehfil, yaumun nabi, id miladun nabi, li pas permissible, li interdit, ou li bid'a, ou li shirk, ou li haram, ou peu importe quoi, ça dit mouna, faudrait li analyse sa mehfil de id miladun. Tous li composé de tout ban élément halal. Ça qui chose là dans ce l'ensemble, il reste halal. Par exemple, Aïd Miladun Nabi, son mahfil commençait par Tilawatul Qur'an. Zodi nous donne mahfil de Maulidin Nabawi. Nous donne mahfil que nous pouvons célébrer, nous pouvons remémorer la naissance de Rasulullah, la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous commençons nos mahfil par Tilawatul Qur'an. Est-ce que tilawatul Qur'an est haram? Non. Pas de question. Après tilawatul Qur'an, nous fin procède à explication de ban ayat de Qur'an, de ban ahadith et nabawi. Est-ce que la propagation des enseignements de Qur'an et des ahadith, est-ce que ça l'est défendu? Haram? Sans doute que non. Il n'est pas haram. Après ça, si nous procédons à ban anashid, à ban nat, est-ce qu'il fait éloge pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni haram? Sans doute que non. Sinon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam participe au déco, membar, pour Hadrat Sayyiduna Hassan ibn Thabit radiyallahu an. Rasulullah participe au demande dua pour lui. S'il fait éloge, fait poème, fait la poésie, dans éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'itibida,
devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous capable d'imaginer un sahabi fin faire bid'a et Rasulullah fin faire du'a pour lui? Sans doute que non. C'est-à-dire sa anachide, sa poésie là aussi, dans l'éloge de Rasulullah, il est tout à fait jaïs, il est tout à fait permissible en islam. Et sa mahfil de Yawmun Nabi, de Eid Milad Nabi, s'il y procédait encore par salat au salam, alors salat au salam, tous les jours nous écoutons, après chaque salat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah tabarak wa ta'ala puis de l'autre, qui sans doute Allah et Subhan malaika, je t'envoie durud, je t'envoie salat. L'autre nabi là, ô ban croyant, je t'si sallu alayhi. Je aussi envoie salat l'oli. Wa sallimu taslima. Et envoie salam taslima. Allah tabarak wa ta'ala fin servien kitchus. Qui nous appelle dans la grammaire arabe, un maf'oul mutlaq. Et nous servit ça, qui fait, pour plusieurs raisons, parmi là-dedans, il y en a deux raisons. L'ibayan et naw, et l'dad. Ça qui chose, taslima. Ils sont aussi des salam. Qui fait, il ajoute taslima, on appelle ça maf'oul mutlaq. L'ibayan et naw, pour explique la qualité, la façon pour envoyer sa salam. La cause ça ne servit maf'oul mutlaq. C'est-à-dire quand Allah peut dire taslima, c'est-à-dire nous devons envoyer salam l'oli dans la meilleure façon possible. Et si nous prenons les bayan et l'adad pour expliquer, pour éclaircir, pour élaborer la quantité, alors wasallimu taslima pour référer à une grande quantité de salam qui nous disait envoyer le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran peut enseigner nous, peut ordonner nous pour lire durud au salam en grande quantité avec beaucoup de respect. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le salam est tout à fait d'après le Coran. Et si nous terminons sa mahfil, sa ihtifal par dua, le dua c'est سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن دعاء زام المؤمن كما نكبر كيت نزام دعاء is the weapon of a believer c'est nos weapons c'est nos armes ça c'est à dire depuis tilawat le Coran jusqu'à dua tout d'après Coran d'après Hadith et si nous ne terminons pas un repas nous ne terminons pas Moussafaha, pas Mu'anaka, ouvert livre hadith, get fada'il qu'il y a quand nous faisons Moussafaha avec nos frères musulmans, quand nous faisons salam avec nos frères musulmans, quand nous faisons Mu'anaka, nous faisons akulad avec nos frères musulmans, quand nous partageons manger, nourriture, manger à ban pauvre, fada'il comme il est vertu, c'est-à-dire depuis commencement jusqu'à la fin, ça a été fait, bimaulidin nabawi al-sharif, les remplit avec obéissance d'Allah, tabarak wa ta'ala. Oui, si un dimoun fin organise un ihtifal, un mahfil, kot enaman kitsous qui anti-sharia, alors sa dimoun là qui est responsable, pas sa mahfil là qui est responsable. Sa dimoun là qui est responsable, pas sa mahfil là qui est à blâmer. Nous pas pour blâmer mahfil là, nous pour blâmer dimoun qui n'organise. Comme ça même si un musulman fait erreur, nous pour blâmer musulman, nous pas pour blâmer l'islam. Même affaire s'applique ici, qui si un dimoun mal organise un mahfil Eid Milad al-Nabi, c'est pas mahfil là qui est à blâmer, c'est la personne, c'est l'organisateur qui est à blâmer. Qu'Allah tabarak wa ta'ala li de nous tawfiq parole là. Nous terminons ici même. Allah tabarak wa ta'ala remplit-nous les cœurs avec muhabba, avec ishq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabarak wa ta'ala de nous tawfiq. Tant que nous vivons dans sa dunya là, nous continuons à célébrer la naissance du dernier des prophètes, plus grand messager d'Allah tabarak wa ta'ala, Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma alayya illa al-balagh.